C'est avec Maurice que tu vas passer. Il a été dur à convaincre, mais tu sais comment c'est. Il peut rien me refuser. Tu me feras pas honte? C'est une grande faveur qu'il me fait. Enfin, qu'il nous fait à toutes les deux. Florette. C'est ça. Tu as raison. Fais la tête, je suis sûre que ça va aider. Alors, t'es bien matinale aujourd'hui? C'est grand jour pour cette demoiselle. Attendez. Pas trop longtemps, j'espère. Et voilà la petite. Elle a grandi. T'as vu ça? Ça me rajeunit pas. Bon, 5 minutes. Tu penses pouvoir nous faire ça? Ça devrait être dans tes cordes. On t'écoute. Allons, Florette. Maurice n'a pas le temps, il vient de le dire. Sybille, peut-être que vous devriez aller vous préparer. On vous ramènera Flora dès qu'on aura terminé, promis. Bon, très bien. Vous me la ramenez en un seul morceau. Ne te fais pas de soucis. Bah c'est le moment, hein. Vous n'êtes pas trop fait mouiller par la pluie? Non, madame, je m'étais mise à l'abri. Dans un bar? Et vous avez bu un soda? Rire étouffé? Ou un chocolat? Non, madame, du sherry. Du sherry soda. Vous me faites envie? Bien, je crois maintenant que je ferai mieux de... Jeune homme. Jeune. Viens. Viens, je te dis. Je veux t'embrasser. Juste une fois. Doucement et tendrement. Sur la bouche. Tu peux partir maintenant. Moi, j'aimerais te garder, mais... je dois bien me conduire. Et ne pas toucher au petit garçon. Adieu. En tout cas, heureusement que je suis pas née à cette époque-là parce que la choucroute, tous les matins, je crois que je pourrais pas. Alors, sans vouloir te faire peur, je pense que la choucroute, il va falloir que tu t'y habitues.
Eric, chérie, pourrais-tu me laisser un instant avec ma fille? Comment vas-tu? Bien. Un coup de fil pour t'en assurer, ça aurait été gentil. J'ai essayé de t'appeler, mais avec les répétitions, j'ai pas eu beaucoup de temps. Tu dois être fière de toi. Franchement, au début, je pensais même pas qu'ils étaient sérieux. Jusqu'à la fin, j'ai cru qu'ils allaient me dire que c'était une erreur ou une blague. Mais t'as vu, ils m'ont laissé avoir la grande loge. C'est fou. Non, non, c'est bon, je vais le faire. Flora fait l'unanimité et c'est elle qui va reprendre ton rôle dans la série. Attends, ça ne veut pas dire que tu fais plus partie de la série. Emilia, c'est toi et ça ne changera pas. Mais le fait est que Flora est exactement ce que l'on cherche. Elle a du mordant, de l'allure et puis... Elle est jeune. C'est ta fille. Je ne croirais pas qu'il s'agit du plus beau jour de ta vie. J'ai rien pu avaler de la journée. Je suis si nerveuse. Je l'étais aussi à ton âge. Crois-moi. Je sais pas quoi faire. J'ai tellement peur de pas être à la hauteur, de décevoir tout le monde. Allons, allons, il ne faut pas t'inquiéter. Après tout, tu tiens de moi. Ma toute petite fille. Je ferai tout pour que cette journée soit absolument parfaite. Ne t'en fais pas. Tant que je serai là, il ne pourra rien t'arriver. Personne ne pourra t'empêcher de devenir la prochaine impératrice. Qu'importe ce qu'en pense l'archiduc Reisinger. Coupé. C'est coupé, merci. Faut que je m'inquiète, j'ai envie de... T'es sûr? Mais bien sûr, il a percé les couches, je te jure. Ouais. C'était parfait. J'avais l'impression que ça devrait être... Non, 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 non. C'était parfait, je te jure. Flora?